Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce que je voulais faire au début et que je voulais attendre d'avoir une pelle avec toucher de soie. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Alors, j'ai ramené de la terre en herbe, comme ça. Ça que je vais faire, bah, je vais enlever toute cette terre champignon et mettre de la terre normale. Bon, ça va être assez simple, j'ai juste à récolter comme ça et la replanter. Ça risque de mettre du temps, mais je vais pas aller très loin. Je vais essayer de faire toute cette zone là. Ouais, je pense par là, quoi. Tout ça. Je vais creuser, puis je vais délimiter avec des blocs de pierre. Tout simplement. Pour pas que ça se propage. Alors, on va éviter de laisser sous la couche inférieure de la terre, comme ça. Sais pas si normalement. Ouais, non, vous voyez. On va pas prendre le risque. C'est une vraie peste. Ouais, ça se propage vite. Ça va être dur et compliqué, je vous le cache pas. Ah, je pense que c'est mieux parti comme ça. Vous voyez, parce que ici, je pense que c'est à cause de ça là. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai pas fait de en diagonale. Bah, je vais faire ça et puis on se retrouve. Bon, ça a pas mal avancé. J'ai réussi à faire ça que je voulais. C'était bon, c'est un peu galère parce que ça repoussait. Enfin, la terre de champignons reprenait. Mais j'ai quand même réussi avec un peu de mal quand même. Et j'en ai profité pour modifier le terrain du coup. Maintenant, j'ai relié en attendant. Mais c'est pas. J'aurais dû le faire directement parce que j'avais commencé par là en plus, j'aurais dû relier directement. Et bah du coup, plus qu'à attendre que ça se propage, ça c'est le truc qui va être le plus long, je pense. Les arbres ont bien poussé entre-temps. Va falloir que je les récolte. Bon, j'ai commencé un petit peu par là. J'ai dit je vais peut-être faire dans la vidéo, mais au final non, bon non, je vais tout récolter d'un coup. Alors c'est que je vais faire, moi je vais. Va continuer à creuser, à refaire un peu le terrain. Et du coup, bah, on va voir l'évolution. Alors, voilà ce que ça donne. Par contre, c'était énorme. Ça prenait énormément de temps à pousser. Alors, j'ai utilisé une nouvelle commande qui existe sur l'1.8 qui permet d'accélérer la propagation de la végétation et les pousses, tout ça. Et ça a permis bah, d'aller super rapide puisque je pouvais pas me permettre d'attendre énormément longtemps non plus.
Ah, je vais peut-être le garder avec moi, ça. Bon, on va replanter ça. Déjà plus. Lui, j'irais bien le planter par là-bas. Il y a peut-être un autre issue. Bon, les deux autres, ça sert un peu à rien, on va les ranger. Alors, le bois, bah, je vais le récupérer. Et il y a ce bois-là, le bois de chêne noir va nous être utile pour le prochain épisode. Non, le bois. Et je pense que je vais commencer à m'attaquer à une maison un peu plus. Commencer à faire une maison, quoi. Il va nous falloir une salle des coffres. Alors je pensais creuser dans la montagne là et faire une salle ici. Avec un petit chemin qui mène jusqu'à là. Bon, on va reprendre le lit, on va passer la nuit puisque la pluie depuis un petit moment. Alors le lit. Change de couleur tout le temps. Ça devrait passer la nuit et la pluie, j'espère. Voilà. Oh, c'est plus agréable. Ah, bon, je trouve que ça fait super joli. L'herbe est bien verte et tout. Bon, par contre, ça fait vraiment gazon parce que il n'y a pas de mauvaises herbes et tout. Mais dès que j'aurai de la poudre d'os, bah, j'en mettrai et puis ça rendra un peu plus naturel. Ah, j'avais des fleurs, on va en mettre un petit peu. Hop. Les tulipes et tout. Ce sera déjà ça. C'est tout. Ah oui, je voulais rajouter la terre, bon, c'est pas grave. Bon, cet épisode, je vais l'arrêter là. Il aura été court, mais assez long en temps, dans le jeu. Mais en tout cas, ça donne pour un rendu qui est assez joli, franchement. Et voilà. À plus!